émission, encore une fois, nous avec le chef suprême du Vaudou, M. Max Beauvoir. Nous parlons du Vaudou. Hélène a parlé de Vaudou, qui nous a établi en tant que religion. Il est reconnu d'ailleurs dans la constitution pays nous. Donc d'ailleurs, il dit la religion du peuple haïtien, c'est le Vaudou. Dans des places à catholiques, les gens qui protestants, les gens qui sont là, qui de l'autre religion. Vaudou a une place dans la société nous. Max Beauvoir, s'est expliqué ça lié. Mais il est certain que l'on parlait de Vaudou dans l'esprit et certains haïtiens, puis haïtiens d'ailleurs. Ça veut dire et Satan, ça veut dire diable, ça veut dire bah, maléfique. Et nous pouvons laisser certaines questions en angsa et en même temps tout, nous pouvons laisser tout montrer vis-à-vis de notre religion. Yo, côté que vaudouan, malgré tout, il y a une place, surtout ici dans la diaspora, vaudouisan, yo senti yo peut-être pas accepté. Nous parlons de tout ça parce que bon, bah, avec besoin de comprendre je vous dis, pour qui ça en vaudouisan obligé et serrer un gâteau, serrer et hôtel lit. Et tandis que l'autre religion, yo, même genre avec un douissant, chinois, yo, yo ouvert, yo chita son table, à regarder tout le monde. N'a pas tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde, monde qui a regardé là, yo? Mon pasteur qui a regardé Kounia là, lui, même offusqué que nous avons interviewé ensemble avec vous, parce que monsieur ça représentait diable, Satan, etc. Qu'est-ce qu'on a dit au monde comme ça? Moi, c'est que vraiment, dans un pile pasteur parler, et j'ai conclu que yo dit un pile bêtise sur vos dos. Okay. Non, il y a joué vaudouisant, il y a dit pile bêtise, que ce soit ici, à l'étranger, ou bien que ce soit la Cayenne, la même chose. Mais si vous regardez bien, ou que ce soit fait de racisme. Okay. C'est même bah, ça qui était à la base du préjugé de couleur aux États-Unis d'Amérique, par exemple, ou bien en Afrique du Sud. Okay. On voit que pas très même monde noir, pas très même la pensée noire. Okay. Donc, pensée noire, d'après vous, pensée monde noir, si vous avez été jeté, boulé, ça fait que tout le monde emboîtait le pas dans même la pensée blanche. Nous pouvons qu'à vivre pour français. À cause de fait que mettre la caille, mettez la caille, nous, mais faut adopter les. Nous sommes sacrifiés, nous. Nous étions colonisés dans l'esprit, nous étions colonisés mentalement. Mais si vous demandez, je dis, à pour ça paye nos pauvres gens, pauvres là. Okay. Mais c'est simplement parce que, après 1806, vous venez au gouvernement qui pensait blanc et qui adoptait les méthodes de blanc. Et naturellement, on a des bâtiments. Okay. On a des tap-tap là, nous dit. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas prendre devant eux. Ils sont toujours devant. Okay. C'est ça que tu as toujours souhaité. Malheureusement, un peu le pasteur haïtien, un peu le père haïtien, ils ont été vendus à la pensée occidentale, okay, complètement. Et donc, ils ont pensé que pensée nationale haïtienne qui sortit dans nos ancêtres, nous, avec tout le savoir que accumulé par tous les ancêtres pendant des milliers d'années, et c'est sous ça nous chita, moins sous savoir ça, et on pensait que tout ça était de rejeter, et de balayer tout ça d'un coup de main, et que vraiment on peut faire table rase de tout, afin de recommencer l'autre champ de vie. Mm-hmm. C'était stupide, okay, c'est clair, parce que nous n'avons jamais une société qui a fait ça, okay, qui n'a jamais existé. Donc, on a balayé les progrès, progrès ou assez choubar à l'étranger, ou coller dans port là, mm-hmm, ou souder dans port là, ou faire peuple admettre, ou marcher avec. Okay. C'est comme ça que vous faites progrès. Mais progrès qui est sorti à partir de table rase, et vous ne partir à rien, vous ne prêtez à rien, c'est là où il est. Mm-hmm. Donc, ensemble, nous pensons que c'était très méchant. Il est allé même jusqu'à tuer un peu le monde. Ouais, et ouais, nous parlons de Choukaïs, ça, ça ouais, ouais, ou bien période de rejeter ça. Période de rejeter, et nous étions 13 la dernière. Dans l'histoire d'Haïti, 13 fois, ils ont couru sur Vaudouisan et ils ont tué des milliers de Vaudouisan à chaque fois. C'est ça. Nous parlons de tout ça parce que le négatif. C'est ça, ok. Nous pensons que le moment a changé et que nous pensons que ni père, ni pasteur, tant arrivé pour venir haïtien tout, pour comprendre que vraiment intégrer au Sénat est lié et que ce n'est pas parce que vous se voit comme dans Mississippi ou de l'autre côté, à l'Alabama, pour venir détruire la caillou et que naturellement, il y a intérêt pour nous mettre main nous ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous construire pays nous ensemble. Parce que ce pays n'est pas nié et nous avons devoir. C'est laisser au pays qui est meilleur au sein des jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est ça. Mais il ne pas savoir tout qu'ils ont accusé Vaudou à carrément de problèmes pays. Ils ont accusé le fait que Vaudou d'Haïti n'a pas voté que l'Ian, l'Ian Maras. Ils ont même servi avec des passages bibliques. Puis ils ont montré que Vaudou, hein, Vaudou Isan, qui a servi loi justement, qui a adoré image, qui a adoré l'autre esprit. C'est des bagailles sataniques que la Bible même, qui c'est le livre de référence, et la Bible n'a pas accepté. Maintenant, on a autre idée, ça, soit marcher dans la religion catholique ou protestant, par des gens qui capables d'accepter le concept vaudouin. Vous pensez qu'en cohabitation, bien que cohabitation est très, très palpable entre vaudouin et religion catholique, là, évidemment, on nous dit ça. Évidemment. Mais qui ont une position vaudouin vis-à-vis. Je pense que vraiment, les gens qui pensent comme ça, ils ont tort. Okay. Je pense que vraiment,
question de présenter la Bible comme la dernière parole, c'est la ça. Bible, la Bible fin parler, l'ultime parole. Dire, ça, c'est une bêtise. Le livre qui a écrit depuis 5000 ans, ou 10000 ans, pour dire que le présent aujourd'hui a, et que le bon pour le peuple haïtien, que la Bible n'est pas de même qu'on est, là, l'a écrit. Okay. Donc, en somme, de dire que c'est la référence du peuple haïtien, c'est une blague. Okay. Troisièmement, naturellement, une méchanceté inhérente, que dès qu'on est ici, tout, dès qu'on prend un nègre, un mari, des automobiles, des automobiles à tuer, ou mal. C'est la méchanceté, c'est vraiment mauvais. Et naturellement, parce que y a un monde qui fait ça, je vais te demander pardon, mettez le genou à terre, demandez pardon à Dieu, parce que vraiment, il va tirer la vie au monde, et qui blessait toute la famille. Nous pensons que ça, tant ça a fini. Nous pensons que aujourd'hui, c'est autant qui est basé sur le respect. Ok. Le respect, naturellement, de toute la religion. Et moi-même, personnellement, je professais le respect ça. Je respectais monsieur catholique profondément. Je respectais monsieur protestant dans le foyer. Je respectais toute religion. Okay. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le monde religieux même pour ne pas apprécier la religion de l'autre monde. Okay. Au contraire, c'est apprécier l'autre tout. Vous montrez que quand il y a une faiblesse, vous aidez, vous avez une force. Parce que c'est très important que la respection des mêmes, la religion des mêmes, soit bagaille pour le monde respecté. Okay. C'est une position PAM. Et. Je regrette toutes vieilles bêtises que dit Sauvodou. Non, surtout pas des Haïtiens encore. Mais ce sont des Haïtiens vendus, des petits Haïtiens. Et c'est ça qui explique que ça payer à parler de l'avant. Parce qu'en somme, comment on peut blâmer Vaudou, quand depuis 1806, on prend tout le peuple là, en entier, ou bourrer dans le coin, le plus reculé possible de la société, où est le monde en dehors? Je ne sais pas qu'en dedans. Et s'il prend dedans, comment il a construit en dedans? C'est pas possible. Okay. Il y a des gens qui pensent comme ça, c'est faire une bêtise extraordinaire, soit la menti, la tromper le monde, sciemment, ou bien que le connaît malhonnêtement. Okay. Parce que vraiment, leur position monde d'ailleurs, il n'y a pas qu'à construire en dedans. Tout à fait. Et pouvoir politique toujours été nommé chrétien, jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Ça, c'est l'autre volet dans tout ça. Mais pour nous retourner sur la même question, ça, dans le même débat, ça, dans l'autre idée, ça, mon religion, ça, est basé sur le fait tout que vos doigts ont une image, de foi méchante, ont une image maléfique. Dans cet aspect, ça, peut-être, bon, l'autre aspect dans vos doigts qui était quand même pour nous élucider. Pour que ça, nous gagne autant de tort, puis le monde dit que vos doigts fait, par exemple, dans le palais de Wonga, mon capturé, mon de zombification, etc., on va en venir. Donc, nous qu'à comprendre au didé moun sa ou penser à vodou yo wè que c'est surtout ça que yo wè devant yo et qui l'autre image qu'il a présenté devant pour yo capable wè que vodou c'est pas seulement ça qui soit qu'a dit comme peut-être chef suprême du vodou pour dire un protestant catholique bon voilà mais ça vodou en fait qui bon qui positif pour ça on regarde le tobatou. OK. Ce peuple qui a la base fière. Ce peuple qui aime la liberté. C'est pour ça que vos ancêtres étaient gourmets pour la liberté et une baie autonomie au pays que est Haïti. Okay. Il a choisi le mot Haïti. Il a dit que c'était terre haute, terre montagneuse, c'est une blague. Ah bon? Parce que le mot Haïti, c'est un mot fond, c'est un mot d'Aomer. Il est chargé d'Aomer. Il a parlé avec lui. Le mot Haïti avait dit désormais. C'est-à-dire à partir du moment ça, c'est ça, c'est pas nous. Ah. Parce que j'étais au courant que tu as traité de Ryswick en 1697, tu débats la France terre. Okay. Donc c'est prendre, nous prendre terre avec la liberté et avec l'indépendance. Donc en somme, il a donné tout. C'est ça que Haïtien représente. Haïtien qui est New York, là, qui est Miami, Haïtien qui est en France, qui est en Allemagne, ou n'importe qui côté au monde, lui présenter image de fierté ça. Okay. Et nous connaît peuple haïtien, parce que nous dans toute l'Afrique, de comment de développer l'Afrique. Okay. Nous le parti Canada, comment travaille fait dans le Canada, et tout Canadien est respectueux de Haïtien et de apport haïtien. Parce qu'il était capable de faire les. Et magnifique. Okay. Et il fait dans le pays, ici aux États-Unis d'Amérique. Il est arrivé ici, il ne va pas parler anglais. Ouais. Mais un peu de temps, on revient au départ, peut-être à Balé, avec un balai dans le factory. Mais on voit qu'on est. Il est presque manager dans le factory. On est le superviseur, c'est le genre. Malgré que l'homme est lourd, etc. Ouais. Il arrive à le faire parce que lui signalait présence lui par sa qualité, par son excellence. Et c'est ça qui permet tout le monde de reconnaître Haïtien, même parce que c'est une fierté liée pour nous tous. Pour qui ça, développement ça, pas fait la caille. Ok. Bon, c'est ça, c'est un point très important. Le monde qui fait développement dans n'importe quel pays au monde, c'est toujours le monde qui a un pouvoir politique dans le monde. Okay. Le pouvoir politique, là, il part droit, il paye taxe, même lever taxe dans le même monde, faire le monde payer plus taxe, c'est ça qui permet de faire l'ordre. Établi à travers le Parlement, etc., ou fait l'ordre, ou créer ça, le droit, le juste, et ça n'est pas bon, les élections comme ça. Okay. Mais je ne sais pas, j'aime la position ça. Comment on est capable, responsable pour les. C'est de la bêtise de croire ça. Okay. Ouais.
vaudouisant pas jamais en position même d'égalité la Kaili. Il faut le dire. C'est un monde que vous bousculez dans le coin, et vous dites pas la donne, c'est mon en dehors, et même l'école, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait l'école pour lui. Et même, ouais, ouais. Dire, même pour l'hôpital, pas qu'un hôpital pour lui vraiment. Donc en somme, c'est tout ça qui m'a dit renouveler, qui m'a dit repenser. Donc pour nous faire au pays, côté tout haïtien capable de vivre également. Évidemment, il y a des haïtiens qui sont à l'étranger, qui sont sortis, et ils ont tendance à garder au mal, c'est vrai. Il y a eu le diaspora avec une tendance négative. Mais de l'autre côté, ce sont des Haïtiens qui ont dû quitter leur pays pour une raison ou pour une autre, le plus souvent politique. Nous, on a quitté le pays, mais il faut nous, même si nous ne demandons pas de retourner, mais il faut nous avoir un moyen pour qu'ils participent dans la construction de leur pays, quand même Haïtiens en dedans, et que ce n'est pas en chance seulement que ça en dedans, d'autres en dehors. Mais de l'autre côté, ça en dehors, ce n'est pas tant là le perdu. C'est un bagage à chercher. C'est aux technologies qu'il a à apprendre. Oui, c'est pour raison, Yves, c'est pour raison. Ça, il est capable de contribuer positivement à la construction de ce pays. En d'autres termes, j'en parlais là, et si à la tête pays, il y a des vaudouisants, si le président est vaudouisant, mais est-ce que dans l'histoire, nous n'avons pas jamais un président vaudouisant ou un président qui a la tête pays, qui sait vivre vaudou, qui normalement, peut-être si on pas déclaré ouvertement, mais qui quand même est vaudouisant d'une certaine façon. Non, pas sous look. La pour Soulouk, qui me croit que tu es vaudouisant. Elle t'a fait cérémonie dans le palais national chaque dimanche, mais nous connaissons très bien le peuple français à lui-même. Il vient inventer un mot, que le gars est Soulouk-ri. Ou quand j'ai un mot, ça dans tout dictionnaire. Quand on a fait une bêtise seulement. C'est pas vrai. Et ça veut dire Soulouk-ri. Donc, il ne dit pas qu'on mange à table, il ne dit pas qu'on a des fouchettes. Il va comme ceci, cela, c'est à cuire à le manger. Oui. Il n'est pas occidentalisé. C'est un bon de vieux bagailles que c'est là que critiquent. Mais au fond, c'est au grand. C'est ça. Donc, si à la tête pays, à nous tenir les vaudouisants, vous pensez que le pays d'Haïti est mieux? Vous pensez que la situation est mieux? Il n'y a pas de doute. Parce que vaudouin, avant tout, égalitaire. Il n'y a pas de différence entre les Haïtiens. Okay. En somme, il est basé sur ça même. Nous, on dit que vraiment, tu gagnes un secteur haïtien, mais plutôt sénégalais. Ou bien toute la bois des dunes, la petite bois du riz. Ou bien c'est un malien, il était là tout. C'est un daroméen, nous sommes une bonne religion, et même rangé pour une bonne langue que nous balayons. La langue créole là. Et daroméen, Nigeria. Bon, je traduis certains chants, certaines prières. Malouais Mounio, mais c'est jeune. Le mot vient en Nigeria et puis mal. Là, pas de traduction encore. C'est-à-dire que sans chanter, j'en chante la créole là. Zoré, mon Nigeria attendait directement, il attendait dans ce sens-là. Donc là, il ne s'agit pas de traduction, c'est-à-dire chercher un mot, remplacer le mot ça à la dernière, et vous cherchez grammaire pour mettre ensemble. Non, même pas. J'en dis là, il sortait de Zoré, mon Nigeria direct. Et Nigeria, on connaît, c'est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en somme, il y a dit que, bon, c'est que que pas de mon Nigeria, notre ethnique crière. Mais le traité négrier n'a pas de manière nigérienne à la canou, c'est une blague. En somme, tous les Haïtiens sont nigériens. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas parler créole. Et les oreilles nigériennes attendent dans la langue parlée. Intéressant. On va parler de politique un petit peu, puisque nous assimilons un petit peu réussite, j'en suis dit tout à l'heure là, vaudou et politique. Mais nous tournons dans vaudou en tant que tel, en tant que religion. Qui j'en concevoir et vaudouin, qui, on se dit tout à l'heure, 401 lois, en vaudouisant qui servit 401 lois. Pour nous regarder, il n'y a pas qu'à comprendre que même vaudouisant ça, c'est dans bon Dieu le quoi. Parce que pour les mêmes, ils croient dans des lois, ils croient dans des esprits. Qui est-ce qui est esprit ça? Qui est-ce qui est? Écoutez, bon Dieu qui est placé là. Parce que l'un des vaudouisants parler, il a fait la prière, c'est grand maître là, c'est bon Dieu qui l'invoque tout. Et pour l'autre religion, ils ont trouvé que c'est pas normal, c'est même une aberration. Qui soit qu'à répondre à ça. Oui, pas normal pour eux, parce que tu as aimé qu'on ne servit loi pas eux. Elle dit bon Dieu pas eux, la religion pas eux. Mais ça a été aimé. Mais en réalité, ça a été aimé vraiment. Ce que tout haïtien a gonflé dans la religion pas eux, parce que c'est des religions qui pas vivent avec moyen pas eux. Il y a un blanc qui a voué comme pas eux. Que ce soit Rome qui a voué comme en Haïti, mais que ce soit Mississippi, Alabama qui a voué comme en Haïti, ou même des religions ça. Et plus les religions par eux gonflées, plus ça peut se voir comme. Nous avons dit ça seulement que tu gagnes la donne. Imaginez qu'il y a 9 millions et demi d'Haïtiens, si chaque Haïtien mettait $1 dans la quête Mounzaïo le dimanche, c'est-à-dire chaque dimanche, il recevrait 9 millions et demi de dollars. C'est une grosse affaire. C'est ça qu'il y a des fonds. Ce n'est pas bon Dieu qu'il y a des fonds.
Ok. Il y a des fans, par exemple, il y a des fans de fait que le Messie Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver le peuple, qui c'est tout le monde en général, l'homme, si on veut dire, quel que soit côté en Asie, quel que soit continent, il n'y a pas fait fi de ça, il dit que bon, c'est le sauveur de l'humanité. Dans Vaudou en lui-même, est-ce que nous reconnaissons. 450 000 sauveurs. 450 000 sauveurs. Mais tout le monde qui était dans le bois caïman, eux. C'est ça que donc loyau, c'est esprit. On nous fait peut-être une définition pour mon cap. Qu'est-ce que c'est gloire? C'est ça. On nous parle de religion lui-même. Mm-hmm. Évidemment, on nous dit c'est la chair bon Dieu, nous dit déjà. Okay. On peut que ça a bien compris, les classiques, il y en a toutes les. Okay. Mais au fond, religion, c'est une façon de montrer au monde comment pour vivre. C'est ça. Et la bonne façon de vivre, c'est me tuer ou bien se voler, sac dans la poche. Moi. La bonne façon, c'est mal vivre. Okay. Mais nous, il y a des façons pour bien vivre. Pour qu'à finir heureux, moi-même tout, et bien, il y a des lois, du travail, etc. Ok. Vous nous mettez là. Nous sommes cousins à quelqu'un qui parlait de lire. Mm-hmm. C'est l'esprit du travail. C'est le travail divinisé. Un travail, ça, vous présentez là, nous souvent. Quand on a dit aussi, agriculture seulement, c'est là, mon cap travail, la terre, qui a planté patate. Mm-hmm. Mais au fond, c'est pas vrai. Le travail qu'on a fait là, dans la télévision, ou mes travail quoi faire avec Plumon. Mais tout ce travail, cousin Zaka. Et c'est montrer comment le travail, c'est la base même de la société. Ok. Ah, c'est lui. Mais on est l'autre. Ou il y a au goût. Mm-hmm. Au goût, ferraille. On met tout n'importe qui au goût, parce qu'il y a toute une série de au goût. Okay. Au moins 21. Mais c'est lui-même qui a bonne force, qui a bon courage. Même pas seulement que c'est l'esprit de la force, mais c'est lui-même qui faut lever le carbone. Le matin, là, pas capable encore, et que la neige a tombé, ou t'as rien mérité la caillou, t'as dû lever le travail, donc le travail est important. Non, mais c'est au goût qu'on parle de très bien, on parle par exemple de Ogou, ça, on parle de Ogou. Qui est-ce lié? Qui est-ce nous capable d'expliquer au monde qui pas même comprendre le concept de loi, ça? Mais ce sont des concepts, justement. Ce sont des concepts, mais. Toute loi, c'est concept. Ok. Toute loi, c'est concept. Son esprit. Alors, comment gagner une société sans Erzuli? Comment gagner une société sans amour? Nous sommes sans qui société? Une société bête sauvage. Okay. Parce que c'est l'amour qui permet au monde de respecter l'autre, très bien, l'autre très bien, et très organiser bien. Vie ensemble. Et c'est ça, Erzuli. Intéressant. Pour les Erzuli Frida, pour les Erzuli Gantor, il y a des aspects différents. Il nous dit il y a 51 Erzuli. Donc, quand on même Grande Brigitte de la mort, il a besoin de croire Erzuli. Et c'est ça que vous citez. Parce que même l'amour, c'est pas pareil qui est simple. Tout c'est à pas fait. Simple que vous parlez, monsieur Chrétien. Okay. Oui. Vous ne pouvez pas dans le paradis, purgatoire, en fait. Tout vous à fait. Tout ça, c'est une blague ou pas? C'est le symbolisme que finalement il utilise. Alors, vous dites tout à l'heure que c'est des concepts. Donc, vous voulez dire que on vaudou, ils ont servi une loi, les plutôt alliés à concept de vie, loi, ça. Un concept de vie, ça. Ok. Donc, loi pour mon cap gardé là. Un principe de vie. Un principe de vie. Donc, au fait, loi pour mon cap gardé qui peut-être catholique ou protestant, c'est pas un esprit maléfique ou bien un esprit qu'on côté que. Qui a fait du tort. Qui a fait du tort et qu'on m'a servi, qu'on m'a obligé. Faut pas oublier que même bon Dieu à lui-même, tout le monde parle de Dieu dans toutes les religions, en anglais, God ceci, God cela. Mais nous-mêmes, nous, il est le bon Dieu. Mm-hmm. Bon Dieu, et souvent on mettait l'autre bon derrière encore, on dit bon Dieu, bon. C'est-à-dire, c'est un principe qui est extrêmement bon, qualifiable par sa bonté. C'est-à-dire que nous pas hésiter à mettre des qualificatifs là-devant, de bon ni devant ni derrière. Mais que vraiment, c'est pas un monde qui a fait petit lit, et qu'il va le bouler éternellement. Mm-hmm. Alors, c'est qu'à prévoir que l'autre n'a pas fait un vieux bagaille, mais que l'autre a dit non, pas fait ça. Nous n'a pas fait ça. Et tant nous, non, bonsoir dame, là on mourit, et là on va le prendre pour bouler. C'est pas sérieux, c'est pas de l'amour. Nous sommes l'amour qui. Vraiment, Dieu est un Dieu d'amour. Évidemment, forcément, il est obligé tout à fait, de faire. Tout à fait. Et c'est naturellement pour ça que nous ne comprenons pas que le monde religieux est capable de courir sur l'autre religion pour la trouver le monde, soi-disant la faire jeter, la faire campagne, etc. Mm-hmm. C'est pas de l'amour. Et comment on peut expliquer qu'on va parler de. On va prêcher l'amour, on en prêche à caillou, et puis on va dire qu'on va trouver l'autre. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas croire là-dedans. Nous pensons que nous respectons. Nous pensons que chaque monde a quoi dans sa vie. Tout à fait. Ça nous coûte la donne parce qu'on a égalité. Et nous dit que vos droits sont égalitaires et que tout le monde a un droit. Mais il y a un droit qu'on a, c'est de penser, je ne plais. Et que si l'autre l'a pensé comme ça, mais respecte-le. Et moi, respecte-le tout. Nous, on n'est pas d'accord avec elle. Mais d'autre côté, nous-mêmes, nous n'avons pas quoi ni dans le paradis, ni dans le purgatoire, ni dans l'enfer. Mm-hmm. Dans qui ça nous coûte exactement? Eh bien, c'est beaucoup plus complexe. Okay. Nous sommes la mort pour le vaudouisant. C'est pas qui est simple.
En somme, il ne faut pas oublier que vraiment nous-mêmes, nous croyons naturellement dans la réincarnation. Vaudou, ils ont quoi dans la réincarnation? Forcément. Ils tournent sous terre 16 fois. Et 8 fois en tant que garçon et 8 fois en tant que fille. Ah bon? Afin que c'est ça le but de la vie. C'est accumuler expérience. Donc en somme, jusqu'à ce qu'on soit parfait ou pour finalement. Parfait ou. Le savoir qu'il y a un bon Dieu pour faire partie de lui-même. C'est ça. Et c'est ça. Pour retourner à la source après qu'on finisse. C'est exactement ça. Donc nous très proches de. Permettez-moi de dire ça, et si je me trompe moins. Corrigez-moi. Tout très proche de l'hindouisme, qui peut-être pensait un petit peu même. Il y a des ressemblances considérables. Considérables. On est dans le tibétain, oui. On est dans l'hindouisme. Oui. On est des mondes qui sont pensés comme nous. Même dans le pays de la Chine. Mm-hmm. Les Chinois pensent comme nous. Tout à fait. Il y a des ogouis et tout. Même déjà tout. Il y a des exulis et tout. Et tout. Ouais. Ça. On parle de cohabitation, du même dualisme dans la religion. Catholique, là, puis le monde, nous allons comprendre avec peut-être des données historiques, pour qui ça, catholique, là, forcément pendant 14 ans, il est capable de vaudouisant. Protestant est capable de tout vaudouisant. Est-ce que dans le concept vaudou en tant que religion, est-ce que nous acceptons ça, nous d'accord que au moins nous protestants catholiques et pour vaudouisant tout en même temps? Oui. Juan, la chose c'est que, Valerio, ou bien l'autre religion, catholique, protestant, ce sont des religions de jaloux. Ils ne peuvent pas comprendre que l'autre la cache là pour ne pas en compétition avec elle. Pas jamais les compétitions de vaudouisants à chrétiens, ni catholiques, ni protestants. Comme si une compétition qui n'existait pas. Ok. Parce que l'autre, yo, toujours pensait qu'il faut faire compétition à l'autre là, c'est qu'il va pourrir puis l'autre. Et puis raconter des cas de bêtises sur lui. C'est parce que tu n'as pas accepté, tu n'as pas voulu accepter. C'est que tu as écrit, c'est que tu as un journal, c'est de la petite genre, de la phalange, etc. Et de l'autre journal comme ça, quand tu as été publié, pensé par eux. Nous, on nous a fait que vraiment, ils peinent vaudouins de façon vilaine. Non acceptable, naturellement, pas qu'acceptable, sur tout le monde. Parce que vaudou, tout le monde, au contraire, vaudouisant, notre traitement, il n'est pas traité vaudouisant seulement. Catholique, protestant, vinouelto. Et c'est eux-mêmes qui maintenaient la santé du peuple haïtien. Okay. Nous avons parlé, par exemple, du département de la santé publique en Haïti. Mm-hmm. On regarde les grands docteurs, grand ça, avant ceci, cela. Avec l'hôpital général, ou bien au cap haïtien, au justinien, ou bien tel. Combien de monde qui est entré dans l'hôpital ça? Ouais, il ne faut pas servir vraiment. Il ne faut pas répondre à la pensée haïtienne. Parce que le monde qui est dans le monde là, qui doit être dans le monde, juste pour arriver à la ville pour courir l'hôpital général. C'est une possibilité. On va dire qu'on a écrasé l'hôpital ça. Mais on fait spécialité avec eux. Ça est bon pour les oreilles, ça est bon pour les gens qui parlent, ça est bon pour les autres, ce genre. Mais au fond, nous avons un petit hôpital qui prend le monde. Qui fait que si vous blessez là, vous ne pouvez pas être sain trop, parce que vous avez venu à l'hôpital de la caillou. C'est sur l'autre forme. Sur l'autre forme, on va parler de. Si vous rentrez dans la ville là pour un gros carré, bon palais national, ou faire l'hôpital général, il n'est pas accessible. Ok. Alors là, vous voulez faire allusion à Médecin Feuillot, à Mounki. C'est eux-mêmes qui maintenaient la santé du peuple haïtien. Et ils ont traité pas seulement vaudouisants, ils ont traité catholiques et protestants aussi bien. Même pasteurs, ils ont traité par les vaudouisants. Gain qui par un cob, il a traité aussi un cob. Ok. En pile là d'ailleurs. Ok. Et donc en somme, c'est vaudou qui maintient la santé du peuple haïtien. Tout à fait. Nous allons retourner après pour ça, fois ça, on se dit tout à l'heure que vaudou n'a pas fait mal, au contraire, on va parler de bien que vaudou fait pour le peuple haïtien, et puis au niveau santé, etc. etc. Mais il y a des gens qui étaient quoi que vaudou fait un pile mal, vaudou ils ont tué les gens, ils ont zombifié les gens, ils ont fait un gars des gens, ils ont. Ah non, pas question zombie ça. Ok. Nous pas le prendre à l'heure. C'est une question qui est tellement longue. Nous pas le prendre à l'heure. Mais avant, nous proposons, nous retourner sur le livre. Là. Livre finalement que Vaudouisan regagne comme livre de référence. C'est ça. Et c'est écrit par chef suprême vaudouin, qui c'est M. Max Beauvoir qui est avec nous là. Le grand recueil sacré, c'est les répertoires de chansons du vaudou haïtien que nous avons devant nous là. Et puis nous gagnons tout, la prière guinéenne. Donc ça. C'est deux livres différents, une l'autre, qui rentrent dans le patrimoine haïtien. Le patrimoine très important pour nous. Côté n'a besoin de livre ça. Eh bien, normalement, c'est Presse Nationale. Okay. De la République d'Haïti, c'est eux qui publient. Ok. C'est publié dans les journaux officiels. Très bien, oui, c'est censé. Donc, en somme, nous pensions que c'était très flatteur. Ils ont accepté de publier pour nous et mettre la collection spéciale pour les collections patrimoine. Qui est normal, mais ici, aux États-Unis, si on m'a regardé. Mais naturellement, tu as venu la Pléiade. Mais en plus, le monde qui a cherché la Pléiade, il va joindre. Ah bon? Bah, on est, ça a privé entre Presse Nationale et la Pléiade là. Mais en principe, c'est la Pléiade qui est censée
Oui. Ça, c'est à distribuer en Haïti. Ici, nous, côté de l'interview avec vous là, nous avons temple Yahweh, ici aux États-Unis, enfin à New York, du moins à Long Island. Nous sommes certains que pendant l'émission, on a bien téléphone, deux contacts et adresses, côté qu'on a pris contact avec Mme Nicole Muller, qui est bien capable de nous joindre, livre ça, pour vous nous, ils ont capable de garder, pour tout le monde qui a cherché, les chercheurs de vérité qui sont capables de joindre. Monsieur Maxwell, nous prenons pause et pas bien pour tourner à cette question vaudou, hein. Zombification et mal que vaudou, d'après certains, a fait société haïtienne. Restez branchés.